Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle série, cette fois avec le jeu Chivalry. Donc c'est un jeu de first person et puis il s'agit d'un jeu médiéval assez ma foi violent. Alors on y va sans plus tarder et je joins en étant chevalier. Alors il y a plusieurs types de jeux comme les team deathmatch, des deathmatch, des objectifs. Présentement, on joue en objectif et on doit éteindre un feu. Et je viens de me faire presque team killer. On va juste baisser un peu le son par contre. 23, c'est bon, save. Ok, il y en a un qui vient de se faire tuer carrément devant moi. Fait que donc, comme vous pouvez voir, les graphiques c'est quand même assez intéressant. Par contre, disons que c'est pour que je puisse enregistrer avec un frame rate assez intéressé. Jouable en fait, il faut que je baisse beaucoup les détails, donc ce que vous voyez c'est pratiquement presque tout est au plus bas, donc je peux vous dire que quand je joue offline, tu sais, sans enregistrer, je peux vous assurer que c'est en meilleure qualité. Même chose si on a un ennemi ici. Je sais pas ce qui se passe. Je suis bien dans les rouges. Et comme vous pouvez voir, je suis pas très bon. Je suis un peu noob, comme je dirais, comme vous allez voir. Je vais me faire pratiquement exploser la tête. Objectif, il faut éteindre ceci. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je vois comme personne, c'est vraiment étrange. Oups, non, pas Steam. On est 5 contre 3, puis yep, j'ai pas vu personne. Étrange. Donc oui, c'est environ ma peut-être 10e partie. Donc je suis encore assez, comme je disais, assez noob. Que les parties que je vais être négatif vont être assez communes. Il faut éteindre le feu ici. Je vais essayer de flanquer l'archer ici. Ow. Je vais me lier. C'est un de moins. On va essayer de le flanquer. Et bordel. Comme vous pouvez voir, je suis rendu avec 0 kill, 2 morts. Magnifique. On est en feu. Je pense que je vais changer pour quelque chose encore. Quelque chose avec lequel je suis encore plus terrible. La fameuse arbalète. Avec le temps de recharge qui est assez long. Donc il faut faire attention. De se mettre en bonne position lorsqu'on charge. Sinon, les chances qu'on se fasse exploser sont assez intenses. Donc, je dois éteindre un feu, semblerait-il. Extinguish. Donc, j'ai manqué le dude. Pas pire fail. Encore manqué le dude. Donc, comment on éteint ça? Extinguish. Il semblerait qu'il faut qu'on monte ici. Comme vous pouvez voir, je connais pas du tout les maps. Donc je pense que je dois empêcher les bleus d'allumer le feu ici. Pour faire comme une espèce de point de ralliement pour leur armée. Il y a un dude qui arrête pas de crier. Ta gueule. Help me! No way! This will is broken! On peut faire différents taunts. Yes! Booyah, bitch! Je suis beaucoup trop en jeu là. Il y a des chances que je meure. Oh non.
straight dans le chest. On va essayer de le finir. Il y a un ennemi là. On a aussi une fonction qui est assez intéressante, qui est la caméra de flèche. Headshot, motherfucker! Donc oui, la caméra de flèche, lorsqu'on tire, on peut appuyer sur la souris pour voir la flèche où elle s'en va, donc c'est assez intéressant. Donc ça peut être un outil pour voir un peu où sont les ennemis. Ils sont toujours trois, c'est étrange. Je pense que j'ai le goût de changer d'équipe. Oh, headshot! On a plusieurs armes. C'est un peu gore, comme vous allez le voir. Donc il semblerait qu'on est en train de les massacrer. Je pense que c'est leur zone de spawn qui est dans ce coin-là. Il y en a un qui vient de quitter. Est-ce que je devrais changer d'équipe? Je pense pas vraiment que je vais pouvoir les aider. Mais bon, on n'a rien à perdre. Team Selection bleu. Et on va remettre la balette. J'ai l'air pas si mal avec en fait. Ah. Je suis mort, donc c'est maintenant 4 contre 4. Donc il y aura plus de chances que ça se produise, que ça soit jouable pour tout le monde. On peut s'amuser à crier en courant, c'est toujours amusant. Donc c'est un jeu qui a 4 classes pour l'instant. J'imagine qu'il va en avoir d'autres éventuellement. Puis chaque classe a une tonne d'armes, comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Comme l'archer peut avoir une arc, peut avoir une arbalète, une crossbow, des javelots ou une espèce de sling vraiment étrange qui a pas l'air super puissant. Mais bon, les chiffres que vous voyez à droite, c'est les nombres de kills avec l'arme qu'il faut pour le débarrer. Donc dans 21 kills, je débarre l'arbalète numéro 2. Même chose pour les armes secondaires et pour les trucs ici, j'ai aucune idée c'est quoi. Même avec certains niveaux, on va pouvoir en débarrer plusieurs types. C'est assez intéressant. Je sais que ça fait un petit bout que c'est sorti, mais j'avais pas encore eu la chance de l'essayer. Puis sinon, dernièrement, je l'avais essayé chez un ami, puis j'ai quand même trouvé ça assez intéressant. Donc je me le suis procuré sur Steam. Alors nous y voici. Dans ces épisodes de moi qui est noob. Dans ce jeu. Rempli d'action et de gore. Lui est rouge. Ow. Good. Ow. Je l'avais pas vu par contre lui. Oh, j'ai monté de rang, semble-t-il. Aucune idée. Je connais pas du tout le système de rang. Donc, comme vous pouvez voir à gauche de mon nom, on voit 2. Je vais c'est le rang. Oui, rank 2. Donc, pour une raison que j'ignore, j'ai monté de rang. Est-ce que j'ai débarqué quelque chose? Des fois, les cadenas ici. Non, non. Donc on peut continuer à souffrir. Ah putain, il y a le Steam. Donc 6 minutes 40 pour... Pourquoi tu me tires, connard? Je vais s'amuser à essayer de faire un shot. Oh, ça brûle, ça brûle! Est-ce qu'on va réussir à franchir l'objectif numéro 1? Je voulais voir aussi si... 6 minutes 40. Donc on peut faire F1 pour avancer plus loin dans la map. Donc on a réussi l'objectif numéro 1. Le numéro 2 étant les trébuchets. Donc il faut détruire les trébuchets ennemis. Donc j'ai manqué encore mon cir, c'est surprenant. Excellent, donc on est en train de dominer présentement. C'est où est-ce qu'il faut aller? Oh wow. Donc c'était pas du tout ici qu'il fallait aller, magnifique. C'est bon. Oh. Donc il faut se diriger aux 3 tours. J'ai aucune idée par où passer, je vais suivre les autres qui ont l'air à savoir ce qu'ils font. Oh, j'ai failli tuer un allié. Oups! Donc
un de moins. On va aller au numéro 2 parce que c'est là que tout le monde semble se diriger. Oh wow. Oh! Wow! Quel tir! Quel tir! J'ai failli l'avoir, mais j'ai manqué mon coup. Merde. Je pense qu'il a vu mon tir sans venir, puis il s'est tassé juste à temps. Prochain coup, je ne le manquerai pas. On a un ennemi juste là. Qui s'en vient interférer avec la trébuchet 2. Merde. On va recharger. Ah oh. Ça a quand même fait mal ça. Un peu de renfort serait bien. Voici le renfort imminent. Ah, là-dessus, 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 là. Pourquoi tu m'attaques? Check toi, innocent. Wow. Ok, je suis bien dans les bleus, là. Dans mon équipe, mais bon. Je vais rechanger d'équipe. Parce qu'il semblerait qu'ils sont un peu trop stupides pour équilibrer les équipes. Et voilà. On va espérer que ça soit mieux ce côté-ci. J'ai manqué de justesse, le double. Oh, lui aussi m'a manqué de justesse d'ailleurs. Pas cette fois. Wow. Et là, tout d'un coup, ils sont rendus des brutes et ils vont tout buter le monde. Je trouve ça un peu étrange, les gens qui font juste du team kill sans aucune raison vraiment valable. Dans les rouges, je dois tuer les bleus. Presque. Wow. Ok. Semblerait qu'on est en train de juste camper le spawn. Pas camper, mais juste défendre le point ici. Come on, buddy! Excellent. Ça, c'est un allié. C'est moi pas, là, innocent. Oh, on en fait un kill. J'ai un touché. Pas de kill, par contre. Ah merde, mon kill! Oups! Il en reste un à gauche. Presque. Donc, il semblerait que le dos revienne. Il est mort. Excellent. Ouf. La calerie qui arrive par là-bas. Donc, on va aller se diriger plus vers le côté pour essayer de le flanquer de côté. Ça doit être facile, ça doit être faisable, j'imagine. Oui, effectivement, j'en vois un. Et de un. Wouh! Yeah, buddy! Wow, nice shot.
Yeah, buddy! 2. J'ai le spot parfait. Je pensais pas qu'il puisse me voir vraiment. Merde. Come on. Ah, merde! Est-ce qu'il me voit pas ou... Ah non, je suis les rouges, c'est vrai. Oups! Depuis tantôt, j'essaie de tirer le rouge. Et c'est quoi ce son là? Qui a quitté. Groby Pop. Donc, il semblerait qu'on a, que ce soit assez, assez convaincant notre domination présentement. Il y en a juste là qui vient de mourir. C'est mon spot ici, dude. Yes! Ouais, je sais. Faudrait faire que je trouve comment faire pour parler comme ça. C'est une des clés F. 5, non. 1, 2, 3. Ah! Excellent. 4, c'est les points, je crois. Ouais, 5, 6, 7. Oh, il y en a un qui arrive à gauche. Tire-les! Il va monter ici. Moi, j'aime bien ça camper dans les jeux de tir. Habituellement, je suis un bon sniper, mais disons qu'avec une arbalète, c'est assez différent. Qui est mort là. Je sais pas par où qui arrive. Il y en a un autre qui a quitté. Waouh. Il y a plein de gens qui quittent. Il reste un joueur. Donc c'est 3 contre 1. Magnifique. Donc on va faire une petite base ici. Excellent. Quoi ça a l'air ça? Oh, fancy. Oh, donc on est maintenant rendu 3 contre 0. Donc il y a des chances qu'on gagne. Agatha's will is broken! Is dead! The true king! Wow! Quel con. On va le sniper. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que les gens m'attaquent? Pourquoi mon couteau a dit ça? Pourquoi y'a personne qui joigne? Vous savez quoi? Oups. C'est ce qu'il va se faire. C'est ce qu'on va faire. Team sélection bleu. Archer, il manque 19 kills pour la balette numéro 2. Ça va être un massacre, je vous le dis. Ça va être un massacre. Peut-être pas, en fait, il reste 55 secondes pour capturer deux trébuchets. Je sais pas s'ils se sont rendus compte que j'ai changé d'équipe, peut-être pas. Bon, laisser une chance de capturer les points sans qu'ils me regardent. Sans qu'ils ne me défendent. Ah, faut être deux. Waouh. Mon plein talot donc.
Ok. Donc la partie va être terminée en pas long, donc c'est pas mal ce qui mettra fin à l'épisode, au premier épisode. Alors, je vous remercie d'avoir regardé, puis on se retrouve au prochain épisode. Ciao! The